Au cours d'une croisière qu'ils effectuaient dans le Pacifique à l'occasion de leurs vacances, 8 jeunes collégiens néo-zélandais sont tombés aux mains d'une bande de pirates avec le navire qui les transporte. Forbes et Pike, les chefs de la bande, décident de mettre les jeunes gens en sûreté dans le ranch d'un complice, tandis qu'ils négocieront le prix d'une rançon avec les familles. Rançon qui leur permettra de se lancer à travers le Pacifique avec quelques chances de succès à la recherche d'une île fabuleuse dont ils convoitent les trésors. Les plus intrépides des garçons, Donifan, Brian et Service, se lancent inconsidérément dans une tentative d'évasion qui échoue. Il leur faudra attendre l'occasion d'une beuverie des pirates et le renfort imprévu du matelot O'Brien pour tenter de nouveau leur chance avec tous leurs camarades. Cette fois, ils réussissent à gagner la baie où est ancré le sloggy. Surpris néanmoins par les pirates, les jeunes gens doivent finalement leur salut à l'héroïsme du brave O'Brien qui n'hésite pas à faire le sacrifice de sa vie pour permettre au navire de quitter la baie. Tandis que le navire dérive lentement vers le large, les bandits impuissants ne peuvent que tirer vainement des coups de fusil dans cette direction. Il nous a sauvé la vie. Mais pourquoi a-t-il pris autant de risques? Il était indispensable de monter une voile pour nous éloigner du rivage. Eh bien, Dixon, qu'est-ce qu'on fait? C'est vous le marin? Je suis Mousse, je ne sais pas grand-chose. Je crois qu'il y a une bonne brise qui se lève. Il faudrait peut-être hisser une voile ou deux, seulement... Seulement? Eh bien, on risque de s'éloigner encore plus du rivage si on n'arrive pas à les manœuvrer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour manœuvrer? Il faut tirer des bordées avec les voiles et le gouvernail. Et on peut revenir en arrière avec un vent qui nous pousse en avant? Oui, en principe. Je n'y comprends rien. C'est pourtant très simple. Il s'agit de combiner une ou plusieurs forces en les manœuvrant sous un certain angle afin d'obtenir une résultante positive. Je vais vous expliquer. Oh! Oh, la vie vaut que l'aventure. Chantons en chœur à nos lendemains, marions notre goélette avec cette tempête. Mais non, il faut mettre le bateau sur le vent de bâbord. C'est exactement le contraire, il faut venir au Love par tribord. Mais ne faites pas le malin, vous employez des mots dont vous ignorez le sens, je suis sûr. Oh, faites donc comme bon vous semble après tout. Bien, qu'en pensez-vous, Dixon, bâbord ou tribord? Je voudrais pas vous contrarier, monsieur Weldon, mais je crois que monsieur Brillant a raison. Ah, bien, 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 j'ai pas la tête dure, si seulement vous parliez plus simplement, vous comprendrez. Amis, vont sans mélancolie, au matelot, à une joie future. Chante la vie qui nous réunit. Nous avions dans nos cœurs l'image de collines sauvages. Ça ne s'améliore pas. Rien à faire, on marche toujours vers l'est. Vous, je vous retiens avec vos résultantes. Voilà 2 heures qu'on s'inscrit, mais la résultante où elle est? Plein est, comme avant. On n'est pas des marins, c'est tout, quoi. Satané voile, on a beau la mettre à droite, à gauche, au milieu, c'est comme si on chantait. Moi, j'en ai assez. Il n'y a qu'à laisser courir, on rencontrera bien un autre bateau. Heureusement, les cales sont pleines. Tenez, vous allez prendre ça, c'est du thé bien chaud. Oh, fallait pas vous déranger, monsieur Gordon. Vous ne voulez pas qu'on vous relaie à la barre?
Non, vous comprenez, la nuit, j'ai l'œil plus exercé que vous. Si jamais un bateau vient à passer, je pourrais le voir, mais demain matin, vous prendrez le cap. Vous croyez que nous avons une chance de croiser un autre navire? J'espère qu'on a une chance, parce que sinon... Et si nous ne rencontrons pas d'autres navires? Ne parlez pas de malheur, Monsieur Gordon. Dick, franchement, entre nous, où allons-nous ainsi? Répondez-moi, où allons-nous? Eh bien, il faudrait que le vent tourne, sinon on ira se perdre en plein Pacifique. C'est-à-dire? Aucune terre à des milliers de milles à la ronde. Espérons qu'il tournera. Oui, Monsieur Gordon. Dick, ne continuez pas à m'appeler monsieur. Nous avons le même âge, je suppose. J'ai 17 ans, et vous? Moi aussi. Il vaut mieux que cette conversation reste entre nous. D'accord? D'accord. Bien, je vous laisse. Merci. Mon petit fan. Du poivre rouge. Si vous aviez lu l'étiquette avant de goûter, vous vous seriez épargné cette mésaventure. Votre gourmandise vous perdra. Si vous aimez ça, je n'y vois pas d'objection. Tous les goûts sont dans la nature, après tout. Hum? Et mettez ces bols sur la table. On ne se débrouille pas trop mal, hein? Mmh. Ah! La théière. Le petit déjeuner! Pas si fort, service, vous allez réveiller Dixon. Quoi? Dick dort ici maintenant? Naturellement, vous ne pensez tout de même pas qu'on va le laisser s'installer tout seul dans le poste d'équipage? Bien sûr, vous avez raison, mais il n'y a que 8 couchettes et nous sommes 9. Réfléchissez, service. Il y en a toujours un de nous qui est de quart. C'est exact, alors tout va bien. 9 moins 1 égale 8. Au fond, ce genre de vie est assez passionnant, non? Et je crois que vous êtes tous de mon avis. À condition qu'on arrive quelque part. Ils vont tout manger, dépêchez-vous. Vous voulez du sucre? Venez, servez-vous. Moi, j'ai une de ces faims, pas vous? Vous avez passé une bonne nuit? Oh. Hé, hé! Hé, prenez pas tout, laissez-en pour Dick et pour Denifan. Les amis, un bateau à l'horizon! Venez voir, vite! Dépêchez-vous! Regardez là-bas! Voilà. Ça. Oh, vapeur! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais chercher Dixon! Oh, c'est un con en plus! Dick! Pourvu qu'il ne sait pas, ça va être. Qu'est-ce que c'est comme bateau? C'est sûrement un bateau de commerce. Vous croyez qu'il nous a vus? Bah, puisqu'on le voit, il doit nous voir aussi. Et remarquer notre pavillon de détresse. On va lancer une fusée. C'est une bonne idée. Oh, c'est une idée. Allez-y, vous pensez qu'il va la voir? Ça va marcher chez vous, Dick! Alors, tu vois ça? Oh, mais c'est vraiment la dernière chance. Dépêchez-vous, Dick, vite. Je vais chercher la longue vue. Bah oui, mais faites vite. Bah non.
Oh, de l'eau. Rien que de l'eau. Partout, à l'infini. Un abîme sous nos pieds. Vous vous rendez compte, Gordon? Vous vous rendez compte? Des milliards et des milliards de mètres cubes de cette sale flotte qui va nous rentrer par le nez, par la bouche, dans les poumons, dans l'estomac. Oh, j'ai peur, Gordon, j'ai peur. Oh, aidez-moi, oui, oui, après. Oh, je n'y peux rien, c'est comme un vertige, comme un vertige. Mais moi aussi, j'ai peur, Donifan. Mais il y a les petits, vous comprenez? Il y a les petits. Gordon, je vous prie d'excuser ma conduite ridicule. Jurez-moi que vous n'en parlerez à personne. À personne. Jurez-le-moi. Je vous le jure. Allez, on va remettre tout ça en place. On en aura peut-être besoin. Bonjour, Dick. Bonjour, Dick. Bonjour, Dick. Avec ça, vous avez l'air de vrais matelots. C'est le nouvel uniforme de la pension Sherman. Bonjour, Dick. Bonjour. Bonjour, Donifan. Bonjour, Dick. Alors, que dit le vent ce matin? Rien de bon. Il est ridicule de se laisser emporter comme un fétu de paille. Ne croyez-vous pas qu'avec d'autres voiles... Ça risquerait de nous causer du tort, plutôt. Je suis peut-être trop pessimiste, mais je sens qu'une tempête va éclater. La mer est calme comme tout. On pourrait toujours essayer. La tempête? Ah oui, ça s'arrange pas. Et puis c'est venu vite. Je vais aller voir. On dirait que Dixand avait raison. Où est-il? Il est là-haut, il tient absolument à faire le quart de nuit. Mon Dieu, regardez, nous allons couler! On peut pas laisser Dick tout seul là-haut. Baxter, occupez-vous des petits brillants, Donifan et moi, montons sur le pont. Mettez-le dans un fauteuil. Je vais essayer de bloquer la porte. Baxter, une couverture. Et de l'alcool. Vite. Comment ça va, Dick? Merci, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu connaissance.
Un paquet de mer a déferlé sur moi et sans que je m'y attende, le choc m'a projeté à terre. C'est la barre qui m'a heurté violemment. D'où vient la tempête? Oh, c'est impossible à dire. Un instant avant, la boussole a été brisée par une lame. En plus, on a trop de toile, on risque de se mettre par le travers. Qui est-ce qui est à la barre? Personne. Oh, mais ça, c'est très dangereux, c'est de la folie. Si jamais on se met par le travers, on va être broyé par les lames. Vite, je vous en prie, il faut le maintenir dans le vent, dans le lit du vent. J'y vais. Pas tout seul. C'est trop dangereux, il faut être à deux pour tenir la barre dans cette tempête. Viens avec lui. Mais voyons, c'est ridicule, je n'ai besoin de personne. Oh, surtout pas de moi, probablement. Je vous en prie, dépêchez-vous, c'est peut-être une question de secondes. C'est bon, j'y vais. Prenez ça pour vous couvrir. Attachez-vous, surtout, un paquet de mer peut vous emporter. Je vais soigner votre blessure. Allez me chercher une trousse à pharmacie, il doit sûrement y en avoir une quelque part. Allez. Entre nous, Dick. Croyez-vous que nous avons une chance de nous en sortir? Dieu seul peut le dire. Oh, Minoret, excusez-moi de vous avoir dérangé, mais c'est d'une extrême importance. Veuillez me suivre. Milord, je vous apporte de bien tristes nouvelles. Inutile, capitaine. Je suis au courant de tout. Au courant? Comment cela? Cet individu, comment s'appelle-t-il déjà? Forbes, Torbes, Morbes. Forbes. Forbes, oui, il est venu à Auckland. Il a eu l'audace? Il est entré au port à bord de votre navire. L'impudent. Assurément, mais nous avons conclu une transaction fort convenable à tous égards. C'est mon honneur qui est en jeu, Milord. Je ne suis pas digne de votre confiance. Veuillez accepter ma démission. Oh, allons, allons, mon cher ami, pas de grands mots. D'ailleurs, nous n'avons plus de navire. Je suis un misérable. Mais non, personne n'aurait agi mieux que vous en la circonstance. J'en suis convaincu. Mais au fait, comment vous en êtes-vous sorti? Avec beaucoup de chance. On nous a recueillis au bout d'une semaine et il a fallu faire escale à Brisbane. Et les enfants? Je pars dans quelques jours pour aller les chercher. Laissez-moi vous accompagner. Mon expérience de ces gens faciliterait les choses. Et puis je m'étais attaché à ces garçons. Ils sont en bonne santé. Pourquoi ne le seraient-ils pas? Le grand et le petit phoque pour avoir le moins de toile possible. Orion, essayez de rentrer les deux phoques. Je peux pas. Faites-moi aider par quelqu'un. Thank you.
Affalez! Affalez! Allez, Donifan, tirez encore! Rien. Une vague plus forte que les autres. Allez, ne vous en faites pas, le sloggy est solide. Dites, vous croyez qu'on va couler? Mais non. D'ailleurs, je suis sûr que cette tempête va bientôt s'arrêter. Voilà 5 jours que ça dure, 5 jours. Bien raison de plus, demain ou après-demain. À condition que le navire résiste. Eh bien, pourquoi ne résisterait-il pas? Il l'a bien fait jusqu'à maintenant. Ah, ça suffit. Vous continuez à vous bercer d'illusions. Vous savez tous qu'en cette période d'équinoxe, la Terre connaît des tempêtes de 15 jours ou même 3 semaines. Eh ben, j'en ai assez. Il n'y a qu'à écouter le vent. Mais écoutez-le, ça s'aggrave de plus en plus. J'ai peur, moi, j'ai peur. Je veux partir. Je veux pas mourir comme un rat, vous entendez? Laissez-moi partir, je vous en supplie. Laissez-moi partir. Vous allez vous taire, oui. Venez vite, une verge s'est brisée là-haut et elle s'est abattue sur le pont. Wilcox avec nous, Baxter aussi. Service, restez avec Iverson et Garnett. Vous savez, si ce navire flotte encore après avoir tant souffert, alors je ne vois vraiment pas ce qui pourrait le faire couler. Si on tombe dans un piège. Oui, peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est notre dernière chance. Où sont les enfants? Où est l'argent? Est-ce que vous l'avez apporté? Oui. Je voudrais avoir un échantillon. Où sont les enfants? Ici, dans le chariot. Venez vous montrer et dites que tout va bien. On est là, on capitaine. Est là, monsieur Buchanan. Vous êtes sain et sauf? Oui, oui, capitaine. Alors, vous voyez bien?
Descendez de cheval et avancez tout seul vers moi, au milieu du champ. On va faire descendre les gosses. Vas-y, Forbes! Vous êtes blessé, Milord? Non, non, une égratignure. Qui étaient ces enfants dans le chariot? C'est le dernier de mes soucis. Rien de neuf? Rien. Et les autres, où sont-ils? Ils se reposent. Jours pleins. 9, 10, 100, je ne sais plus ce que ça veut dire. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu dans cette tempête. Il faut croire que le Sloogi est un sacré navire. Peut-être qu'il aurait mieux valu faire naufrage dès le premier jour. Non, Wilcox, le pire c'est de renoncer. Je pense qu'on a tout de même fait du chemin en 9 jours. Avec ou sans toile, on file tout aussi vite. Oui, mais dans quelle direction? Si nous devons finir bêtement au fond de l'eau, ben, ça n'a pas tellement d'importance. Pour l'amour de Dieu, ne parlez pas ainsi. Nous sommes condamnés à mort, je vous le dis. Nous sommes tous fichus. Gordon a raison. Ça ne sert à rien de se laisser aller. J'avais un oncle qui disait toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'ai entendu ça. Quoi? Des mouettes. J'ai entendu un cri de mouette, là, tout près. J'entends rien. Oui, cette fois, j'en suis sûr, c'est des mouettes. Oh, j'entends rien. Devant, devant, secondement, comme si on allait précipiter sur des brisants. Oh, on dirait un énorme sac, n'est-ce pas? Oh, je sais plus, je suis tellement fatigué. Ça peut être n'importe quoi. C'est un banc de récifs, droit devant nous. Si la mer nous pousse dessus, on va s'écraser. Rien à faire, rien qu'à prier Dieu et à nous cramponner à la barre. Mais les autres en bas, faut les prévenir! Vous n'y arriverez jamais! Ne bougez pas et accrochez-vous de toutes vos forces!
rocher. Laissez-moi passer. Mais vous pouvez pas monter sur le pont, vous y seriez immanquablement balayé. Mais assez de boulson. Que personne ne bouge. Le premier qui essaie de sortir, je lui prends le crâne. On ne coule pas encore. J'ai échoué sur un banc de rocher. Nous allions à une telle vitesse que le bateau est venu se clouer sur la pointe d'un brisant. Il ne bougera pas. Du moins pour l'instant. Maintenant que le bateau ne peut plus fuir devant les vagues, elle se brise sur l'arrière et déferle sur le pont, et personne ne pourrait tenir une seule minute. C'est vous qui le dites. On ne va pas rester là à se tourner les pouces. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous? Pour le moment, pas grand-chose. Il faut attendre, c'est tout. Attendre? Mais attendre quoi? Vous vous rendez pas compte? Les vagues vont disloquer le bateau, on va tous mourir noyés. C'est possible, mais si la coque tient, nous avons une chance. Tout à l'heure, j'ai entendu des mouettes. Ça veut dire que la terre n'est pas loin. Alors, si la tempête se calmait... Oui, ça n'a pas l'air d'être demain la veille. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Parfois, ça se calme sans qu'on sache comment. En faisant attention, on pourrait peut-être ranger tout ça. Oui, bonne idée. Vous croyez vraiment que la terre n'est pas loin? J'en suis à peu près sûr. Ça serait quand même stupide de mourir ici. Ah, calmez-vous, le Sloogie a résisté jusqu'ici, il tiendra encore. Dieu vous entende. Quelle heure est-il? Pas tout à fait 10 heures. On n'entend plus les vagues. Les amis, debout! La tempête est finie, réveillez-vous, allez, réveillez-vous! Service, Dixon, la tempête est finie! Debout là-dedans, réveillez-vous! La tempête est finie! La tempête est finie, vraiment? Vous êtes sûr? Allez, marchez doucement, marchez doucement, on n'entend plus les vagues. Oui, venez! Nous sommes bien amarrés au rocher. Mais j'ai peur que la calmie ne dure pas. Il faudra en profiter. Si la tempête recommence, la coque ne tiendra pas. Vous croyez que ça peut recommencer? Ah oui. Vous en êtes sûr? J'ai embarqué à l'âge de 9 ans et je sens des choses que je ne peux pas toujours expliquer. C'est de l'instinct et puis aussi de l'expérience. Bon alors, que fait-on? Écoutez. Des mouettes! Vous avez raison. On n'est sûrement pas loin de la Terre. Ah oui, mais dans quelle direction et à quelle distance? C'est tout de même bête d'être là, réduit à l'impuissance. Il n'y a qu'à attendre le jour, on verra bien. Il n'est que 2 heures du matin. C'est dangereux d'attendre le lever du jour. Il y a une chaloupe, prenons-la. La chaloupe a été broyée et emportée par une grosse lame. Mais je ne sais pas, moi, faisons un radeau, n'importe quoi. Pour aller où avec ce radeau? À gauche, à droite, devant, derrière? Oui, si seulement on y voyait quelque chose. Tonnerre de Dieu, les fusées! J'y vais. Si la terre n'est pas loin, ça nous permettra de l'apercevoir. Je ne trouve pas la caisse. Elle a dû être emportée. La voilà, je l'ai trouvée. Elles sont intactes. Là! Où? 200 mètres! 200 mètres! Pas plus! Il y en a au moins 3 ou 400! Quand ce serait même 1 km, qu'est-ce que ça fait? Tous au radeau, d'accord? Oui, oui, d'accord! Allez au travail, chercher des plans! Oui, filin. Gordon, tenez mon vieux, prenez cette planche. Oui. Dick.
On met ça ici? Non, là, j'ai besoin de place pour passer le filin. Dick, vous croyez que ce fichu bazar va tenir l'eau? Ça dépendra du temps. Hé, hey, service, ça vient ce filin? Dépêchez-vous. Ça vient, il était plein de nœuds. Vous feriez mieux de m'aider au lieu de vous empiffrer. Tenez-moi ça. Faut bien se nourrir aussi, quoi. Quand vous serez dans l'eau, l'estomac plein de vase, vous n'aurez plus faim. Et c'est ce qui risque d'arriver si nous ne nous dépêchons pas. Arrêtez le chargement. Qu'est-ce qui vous prend? On n'a pas mis la moitié du chargement. C'est trop tard, tant pis. Le vent va se lever, on sera sûrement rejeté vers le large. Ah, on pourrait peut-être se diriger en ramant avec des planches. Non, 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 on va offrir trop de prise au vent, ce n'est pas une chaloupe. Et si on reste ici, on n'a aucune chance. Alors j'ai choisi le radeau, allons-y. Eh, hey, doucement, Donifan. Nous avons tous notre mot à dire, non? Pas du tout, c'est très simple. Que ceux qui veulent rester restent et que les autres me suivent. Voyons, Donifan, réfléchissez. Peut-être que nous aurons du secours venant de la côte. Et voilà, des parlottes, et pendant ce temps-là. Attendez. Je crois avoir une idée. Quand on veut traverser une rivière avec un bac, qu'est-ce qu'on fait? On tend un câble entre les deux rives et on tire dessus. Il n'y a qu'à faire la même chose, voilà. Eh, gros malin, et l'autre bout du câble, comment irez-vous l'attacher sur la rive? Naturellement, quelqu'un devrait y aller à la nage. Est-ce bien prudent? Nous ne connaissons pas ces parages. Moi, j'y vais. Quelle rage avez-vous de toujours vouloir jouer les héros, Briand? Je suis meilleur nageur que vous le savez bien. Ah, vous allez arrêter de faire les idiots. On n'est pas dans la cour de la pension Sherman. Est-ce que vous vous rendez compte des risques que vous prenez? Il n'y en aura pas tellement puisque je serai attaché. Les autres pourront toujours me haler si quelque chose ne va pas. Ah, peut-être, je ne sais plus, tout ça est insensé. Au moins, ne vous disputez pas. Bon, on va tirer au sort. Le plus court gagne. Il faut un filin pas trop lourd à traîner. On l'attache autour de la taille et on accroche à l'autre bout un cordage. Arrivé sur la plage, on n'a plus qu'à tirer. J'irai vous aider si vous êtes en difficulté. Si jamais la mer est trop forte, revenez à toute vitesse. Bonne chance, Briand. À sa plage, je serais déjà arrivé. Et s'il rencontre un requin? Taisez-vous, ne nous mettez pas des idées pareilles en tête. Oh bon Dieu, le filin ne déroule plus. Ça y est, tout va bien, il continue à avancer.
Attachons le bout autour du mât. Assurez-le bien. Elle se tend, il a réussi à la fixer. Mais alors, on est sauvés. On est sauvés. Dépêchons-nous d'embarquer, le vent se lève, il faut se dépêcher, vite. Allez, venez vite. Pensez à équilibrer le radeau. Et vous, Gordon, prenez celle gaffe. Oui. Vous deux, attrapez le cordage. Je décroche le radeau, préparez-vous. Allez, tirez! Par là, j'ai trouvé quelque chose. Allez. Les petits, allez, à l'intérieur. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez. Merci, Brian, on a eu très peur pour vous. Et des requins, vous en avez pas vu? Ah, mais non, heureusement pour moi. Hé, hey, Baxter, avec une voile, on va monter une tente. Je ne voudrais pas passer les prochaines heures sur le Sloggy. Il va recevoir quelques paquets. Et s'il n'est pas complètement brisé par la tempête, nous y retournerons chercher de l'approvisionnement. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on vient de loin. Thank you.
de la chance, on s'en est bien sorti. Les dieux sont avec nous. C'est sûrement une grosse lame qui l'a soulevé du récif et qui l'a amené jusque-là. C'est curieux, on n'a rien entendu. Le fameux bateau, je le regretterai. C'est fou ce qu'une tempête peut faire de dégâts. Ouais. Et en bas, c'est pire. En tout cas, si un bateau passe au large, il verra l'épave. En attendant, j'appelle les autres. Allez sortir les provisions, on va manger sur le bateau. Hé, je reprendrai bien du pain, moi. Attrapez! Ah, c'est moi l'athlète, l'homme qui bloque les boulets de canon. Bravo, Baxter, mais je vous ferai remarquer que vous avez mangé plus de fromage qu'Iverson. Hé, hein. Attendez, j'ai pas fini. Moi non plus. Je me sens d'humeur à dévorer toute la cargaison. Hé, service! Où allez-vous comme ça? Vous éloignez pas trop! Mais où est passé Wilcox? Dieu sait ce qu'il est allé chercher dans les cabines. Et voilà! J'ai trouvé le sextant! On va enfin savoir où nous sommes. Vous savez vous servir de ce truc-là? Oh, ça doit pas être tellement sorcier. Une fois, j'observais le capitaine Hull et j'ai vu comment il s'en servait. Il me semble que ce qui compte avant tout, c'est d'établir notre position. Moi, ouais. J'ai pas tellement confiance dans cet engin-là. Mais si, laissez-moi faire, voulez-vous? Est-ce qu'on est sur une île déserte, d'après vous? Une île déserte, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas de traces humaines sur la plage. Ça ne veut rien dire, vous savez, il y a des tas d'endroits pas très fréquentés un peu partout. On a dû faire du chemin, quand même. Pas forcément, on a pu tourner en rond. Alors, qu'est-ce que ça donne? En principe, nous sommes ici. Ah, bravo! Voilà qui est concluant. J'ai peut-être fait une petite erreur de calcul. Je sais bien qu'on ne peut pas être au centre de la Nouvelle-Zélande. Sûrement quelque part sur un point de la côte. Vous êtes certain de vos calculs? Naturellement, avec une marge infime d'erreur. Infime, c'est vous qui le dites. Après tout, c'est possible avec cette tempête. Allez donc savoir ce qu'a fait le Sloogie. Et moi, je dis Wilcox que vous n'y connaissez rien. J'ai refait deux fois mes mesures et mes calculs. Qu'est-ce que ça prouve, sinon que vous êtes un âne? Oh, Donifan. Je n'ai aucune confiance dans ces calculs. Nous pouvons être aussi bien en plein cœur du Pacifique qu'en Australie. Tout de même, il ne peut pas s'être trompé à ce point-là. Pourquoi ne serions-nous pas revenus en Nouvelle-Zélande après tout? C'est plausible. Tout est plausible, c'est bien ce qui m'inquiète.